Moi, je trouve que c'est une période très intéressante. Très intéressante parce que on remet en cause plein de choses. Plein de choses qui vont dans le sens de l'humain. Et que l'humain devient le centre de toutes ces évolutions. Et que ça touche toutes les populations et tous les domaines. Donc je trouve que c'est une période hyper dynamique. Je pense qu'on vit trop vite. On veut tout faire, quoi. On n'écoute pas assez le monde à l'extérieur, quoi. On n'a pas assez d'ouverture. On reste trop centré sur nous-mêmes. D'abord, je me sens concernée par la vie du pays. Comme je vous ai dit, je ne peux pas rester indifférente à ce qui se passe autour de moi. Parce qu'on a besoin, de redonner du sens à ce qu'on fait. Pour moi, le pays de Pouzeau, pour moi, c'est un pays qui est vraiment proactif. Proactif parce que sur l'actualité, sur les tendances maintenant de développement durable, d'écologie et tout ce qui peut exister sur toutes ces transitions, il y a eu des groupes de travail qui ont été montés, qui ont réfléchi, des groupes de réflexion qui se sont mis en place, ce qui donne au pays de Pouzauges un temps d'avance sur les transitions que nous sommes en train de vivre actuellement. J'étais contente de trouver auprès de la communauté de communes et à travers le CODEM des sujets qui m'intéressaient, sur lesquels j'avais aucune connaissance, mais qui m'ont permis de rentrer un peu plus dans ces sujets-là. Derrière le mot transition, on y ajoute des données plus concrètes maintenant. Le plan climat nous amène à réfléchir à tous les domaines de la transition, la transition écologique, la transition éducative, la transition énergétique. Enfin, c'est très, très, très vaste. Il y a une notion de faire ensemble aussi, dont je voulais parler, une notion de faire ensemble qui est vraiment très développée et très exprimée par les élus et qui est vraiment, c'est vraiment le cas. Les groupes de réflexion en amont, c'est sur les sujets, c'est très, très bénéfique, et la participation de toute la population. Eh bien, ça, c'est vraiment ce qui fera qu'on réussira les transitions dans ce pays.